You. Salut les gens. Alors j'imagine que le titre, vous avez fait attention au titre, je passe aux deux roues. Vous venez de me voir arriver, toujours une seule roue. Il y en a certains qui le savent déjà. Je vais vous montrer. Hop là. Vous m'attendez une seconde, je reviens. Ah, quelle course! Voilà, vous avez compris, 1 plus 1, j'ai deux roues maintenant. On va se poser, puis je vais vous expliquer un peu tout ça. A tout de suite. Voilà les deux bêtes. Celle-là, vous la connaissez. J'ai déjà fait, je vous avais dit 800, j'en suis à 1000 km à peu près avec. Toujours zéro faute. Vous aurez qu'à compter, vous saurez l'heure qu'il est. Puis comptez pas, il est 21h. toujours zéro chute. Effectivement, vous la verrez tout à l'heure en quelques gros plans. Elle a quelques marques, mais elle s'est faite toute seule. Hein. Je m'entends, je ne suis pas tombé, elle est tombée. Ça, je vous avais dit, c'est normal. La nouvelle, comme vous voyez, elle est un peu sale, elle a un peu roulé. J'en suis déjà à 600 km avec. 1600 km. Alors, la différence principale des deux, outre le fait que donc c'est une route 16, une route 18, 45 km d'autonomie, celle-là j'en suis arrivé à 85, ça commençait à ralentir beaucoup, je pèse 80 kg. Donc si vous êtes plus léger, que vous roulez moins vite, elle est réglée à le premier bip, il est à 30, celui-ci était à 28, donc je roule déjà plus vite. Elle est donnée pour monter à 45, 30 me suffit largement. Des fois je m'amuse à aller au deuxième bip qui est à 35, mais après ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que de toute façon, plus vous roulez vite, plus vous avez l'air dans les oreilles, et moins vous entendez les bips, et à mon avis, plus c'est casse-gueule. Ça n'engage que moi. 30 km/h, c'est déjà pas mal. Donc, la différence principale, vous voyez que d'un côté, il y a une roue qui est plus protégée que d'autres. L'avantage, c'est quand il pleut, vous n'avez pas d'esclaboussure. L'inconvénient, c'est quand vous roulez avec des feuilles mortes ou des choses comme ça, ça rentre dedans, ça fait un bruit infernal, ça ne sort plus. C'est une chose. Là, vous n'avez pas ce problème-là avec les feuilles mortes ou les choses comme ça. L'inconvénient, c'est que quand il pleut, la flotte remonte là et vous en avez plein le dos. Donc il faut que je me bricole un petit garde-boue, ça sera plus pratique. Le fait d'avoir une petite roue, une grande roue, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une petite roue, une grande roue, enfin une roue plus petite que l'autre. Moi je mettrais ça sur un ensemble de trois choses. La grande roue, le poids, parce qu'elle fait je crois au moins 7-8 kg de plus que celle-là. Et la puissance du moteur, c'est un moteur de 2000 watts. Je pense que l'ensemble des trois fait que vous avez vraiment l'impression de rouler sur un nuage. Celle-là, j'ai toujours dit qu'elle était hypersensible, et je continue à le dire, parce que quand je remonte sur celle-là, après avoir fait quelques kilomètres sur celle-là, j'ai un peu de mal. Ça revient rapidement, mais voilà. Et j'ai perdu le fil, mais c'est pas très grave. L'inconvénient qu'elle a vraiment, donc celle-là, c'est qu'elle vous arrose. Et vous avez les marchepieds qui sont un peu petits pour la taille de la roue. Moi qui chausse un énorme 39, j'ai du mal à caser mes pieds. J'ai toujours l'impression que mes pieds sont à moitié en dehors, à moitié... Mais il y en a qui changent les pédales pour des plus grandes. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais juste m'y faire et puis c'est tout. Hein. Tout comme la roue précédente où je vous avais dit que j'avais bouffé le grip en une semaine.
Bouffage de grippe, non partout, vous remarquerez l'accent. Pareil, une semaine, on voit déjà le métal. Donc je ne vais pas m'embêter à remettre du caoutchouc et du plastique. Je vais tout enlever, je vais remettre le même grip que j'ai mis sur celle-là qui ne bouge pas. Vous remarquerez, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais le grip de mes chaussures commence aussi à partir. Donc vous avez compris que l'intérêt que j'ai maintenant d'avoir eu cette roue, c'est que mon histoire de Château de la Loire, je vais pas la faire en vélo. Je vais la faire avec ça. Donc j'ai 450 km à faire entre Nevers et Tours. Je pars avec ma compagne, enfin ma compagne, ma femme, ma chère et tendre. Donc elle ne sera pas équipée d'un vélo électrique ou d'une roue, d'une chose comme ça. Elle sera équipée d'un bon gros vélo hollandais, bien lourd, bien costaud, avec des sacoches et une remorque. Moi, j'aurais quand même un gros sac à dos bien lourd quand même. Alors, voilà, le projet, c'est ça. On va faire 40-50 km par jour. Pas la peine d'en faire plus. On a toute la journée pour le faire. On ne va pas prendre de matériel de camping. On a déjà réservé tout le trajet. Et puis là, on a testé un voyage de 55 km aller, 55 km retour en 2 jours. Ça se fait. On a même trouvé un système, elle aura quand même une assistance électrique parce qu'elle avec son vélo et sa remorque, moi derrière, et puis quand vraiment ça monte à des proportions un peu trop importantes, je m'accroche sur la remorque et je pousse le tout. Il n'y a plus qu'à s'arrêter en haut de la côte parce que penché vers l'avant avec mon casque, j'y vois rien. Ça peut paraître acrobatique comme ça, mais on a testé, ça marche très bien. Le seul truc, c'est que quand je suis penché vers l'avant sur la remorque en train de pousser, je vois pas ce qui se passe devant, donc c'est elle qui me guide. Et arrivé en haut de la côte, elle me prévient, on s'arrête sur le côté pour que je puisse me redresser parce que penché vers l'avant comme je suis, j'arrive pas à me redresser, donc sinon c'est la catastrophe assurée. On a testé, ça marche. Donc je ne sais pas combien il y aura de côtes sur les pistes cyclables de la Loire, mais bon, ça sera déjà moins dangereux qu'en pleine rue. Voilà l'histoire. Alors, je vais vous insérer quelques plans donc de la roue et puis voilà où en sont les nouvelles. En distance maximum que j'ai fait en une journée, je crois que j'en suis à 65 km sans m'arrêter donc, parce que j'avais déjà fait 60 km mais un coup 30 rechargé, donc un retour 30 ou même sans recharger mais. J'en suis à 65 km. J'avais fait une partie de l'avenue verte qui monte à Dieppe. J'ai fait entre, pour ceux qui connaissent, entre le parc Saint-Paul et Gournay, après Gournay. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne envie d'aller plus loin, donc ça, on verra. On verra après notre retour des pays de la Loire, je pense. Bah voilà, les gens, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Ah oui, prochaine vidéo, ça sera certainement. Ne vous attendez pas à des vidéos pendant notre périple sur les châteaux de la Loire, parce que il est hors de question que je fasse du montage, quel qu'il soit, pendant mes vacances. Et en plus, moi, normalement, je suis un peu plus photo que vidéo, donc c'est plus dur pour moi. Voilà, c'est si reportage il y aura sur notre périple sur les châteaux de la Loire, sur la Loire, ça sera après. Après. Donc voilà, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Grimpez là-dessus, amusez-vous, prenez pas trop de risques et profitez-en un maximum. Salut les gens!